occupé depuis fin 1940. Cambrai est libéré du joug nazi au petit matin du 2 septembre 1944. Après le débarquement, et même si les alertes aériennes se succèdent dans la cité, les Cambrésiens reprennent confiance et osent défier ouvertement l'ennemi. C'est alors que les drapeaux de la liberté fleurissent partout. Cambrai, enfin libéré, les Cambrésiennes et les Cambrésiens respirent. Mais les résistants et combattants des FFI auront payé un lourd tribut, perdant 5 des leurs le samedi 2 septembre 1944, jour pour jour, ce matin. Jules Herbin, Gérard de Kayser, Jean Jaillet, Roger Copin et Paul Touzet. La levée des corps de ces 5 membres des FFI aura lieu le mardi 5 septembre en la chapelle de l'hôpital civil. De nombreuses Cambrésiennes et Cambrésiens payent également un lourd tribut et feront aussi les frais de ces violents combats de rue, rejoignant la lourde liste des victimes civiles d'une fin d'occupation pâle et sanglante. 250 personnes auront succombé aux raids aériens. Nous souhaitons cette année marquer cette cérémonie par un vibrant hommage à Jean Corfitz-Château, Français au grand cœur, inspecteur de police aux renseignements généraux de Cambrai. Il s'est employé à fond dès 1940 pour faire échec à l'ennemi. Pendant plus de 2 ans, il a guetté tous les indices lui permettant de sauver des patriotes menacés par la Gestapo. 17 habitants d'Avesnes-aux-Bers furent sauvés grâce à son esprit de décision et à son dévouement. Dès juillet 1941, il a réussi à placer des gens sûrs les services allemands, créant sur l'ensemble de l'arrondissement un réseau de renseignements très serré. Ce résistant du réseau Kléber a été arrêté par les Allemands le 12 février 1943, alors que la mairie était le palais de justice de la ville. « Ne vous en faites pas, on les aura », avait crié le résistant cambrésien, sous les yeux de son fils. Je dis bien sous les yeux de son fils. Déporté sous l'accusation d'espionnage, il est incarcéré à Fresnes, dans un premier temps, transféré ensuite au camp de concentration de Neuengamme, au sud de Hambourg, en Allemagne. Il n'en reviendra pas. Il décède le 2 janvier 1945, donnant jusqu'à ses derniers mots l'exemple d'une foi, d'un patriotisme et d'un désintéressement absolu. Il fait l'admiration de tous par son moral élevé et par ses paroles. Celles-ci sont gravées à jamais dans l'esprit de ce résistant cambrésien qui était Jacques Corfitz-Château. Et elles sont aussi gravées à jamais dans le marbre de la plaque qui trône sur le porche de l'hôtel de ville de Cambrai. Jean Fulbert Corfitz-Château, par décret du 20 septembre 1946, est fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume et reçoit la croix de guerre 39-45 avec panne. Je vous remercie. Thank you.
Ah, mon avis, il y a une crise, c'est marrant. Après, t'en as un peu.